sumu mosi ni wo basa kolo kolo ono menyo tata fumu bana linge bela me me mutu masumu swara wa me mutima. Sumu mosi ni wo basa kolo kolo mono menyo tata fumu bana linge bela me me mutu masumu swara wa me mutima. Ben, Lili, ouais, Lili, ouais, Lili, ouais, Lili, ouais, Lili, ouais.
Vision du temps de la fin, le chevalier noir. Dans ma vision de l'aube, j'ai vu un cheval noir, volant au-dessus de moi, et j'ai réalisé qu'il y avait un cavalier dessus, qui survolait au-dessus de plusieurs pays du monde. J'ai remarqué que le cheval dégageait une fumée noire partout où il passait, et la fumée devait endommager la population du monde. J'ai cherché une réponse dans le Seigneur. Il m'a dit que c'est le chevalier qui va causer la famine qui va envahir la population mondiale. Le Seigneur a dit, il consommera toute la nourriture. En conséquence, de nombreuses personnes souffriront d'une grande famine et il y aura de nombreux décès, ainsi que des conflits. Tout cela à cause de lui. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Six et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Vision survenue là. Le Seigneur m'a emmené dans un ravissement dans un pays. En ce moment-là, je ne savais pas où j'étais. Je naviguais dans presque partout dans ce pays, à une vitesse que seul Dieu sait. En se retournant, j'ai vu le Seigneur qui était là avec moi et me dit, vous êtes au Venezuela. Donc j'ai fait attention pour voir et comprendre ce qui se passait. Rapidement, j'ai vu beaucoup de misère dans plusieurs parties du pays, et j'ai vu beaucoup de saleté dans la ville dans d'autres parties. J'ai été étonné, car le Venezuela avait l'air comme un pays très pauvre. J'ai vu des gens vivre dans un état critique. Le Seigneur m'a dit ce qui suit. Ce pays a un nombre exagéré de prostitution. Les jeunes enfants et les adolescents vendent déjà leur corps pour pouvoir manger, car la situation est très précaire. Ils sont dépendants des cigarettes, des drogues et de nombreux toxicomanes. Mais le Seigneur m'a dit, dans cette nation il y a trois jeunes hommes que je vais élever avec une grande autorité de la parole, et un grand mouvement de Dieu va secouer et changer le cours de cette nation dans de divers aspects. Bientôt il y aura des nouvelles d'une grande puissance de Dieu se manifestant à cet endroit, bien que cela sera accompagné de beaucoup de douleurs et de souffrances, dit le Seigneur. Vision sur la Croatie. Le Seigneur m'a aussi parlé de la Croatie, quand j'ai vu un énorme serpent blanc, qui était le dieu de cette nation, et tout le monde adorait ce serpent blanc, pensant qu'il était le vrai dieu. À vrai dire, ce serpent était Satan qui est derrière ces religions, et il contrôle les parents faisant de nombreux sacrifices sataniques dans ce lieu et des statues de culte. Le Seigneur a dit que nous devrions prier pour ce pays, car il est en grand danger de catastrophe, avec certains pays, mais le Seigneur réveillera un vrai christianisme en ce lieu. Gloire à Dieu. Vision de nation africaine. Le Seigneur m'a aussi dit que l'Afrique est pleine de faux prophètes et apôtres, qui trompent beaucoup de gens, parce que l'Afrique pense qu'elle est sauvée, mais la plupart d'entre eux, quand ils meurent vont en enfer, parce qu'ils n'ont pas abandonné leurs coutumes et traditions qui mélangent le christianisme avec l'occulte. Le Seigneur est en colère contre l'Afrique, car il est complètement détourné de Dieu. Ses pasteurs sont soucieux de faire des noms, d'avoir une grande richesse, et de montrer qu'ils sont bien avec Dieu, déroutant en ce qui concerne les biens. Le Seigneur veut du cœur et non des richesses périssables, dit le Seigneur. Je vous exhorte l'Afrique à vous repentir d'urgence. Mon jugement est aux quatre coins et vous serez terriblement endommagés, car vous êtes à main ouverte pour danser la musique du Christ. À cause de votre prostitution, vous acceptez que tous les présidents et riches viennent rassasier de leur plaisir. L'Afrique doit réveiller à la vérité, parce que vous coopérez pour la destruction du vrai christianisme. Il y en a peu en Afrique qui sont sauvés, dit le Seigneur. La plupart vont à la perdition. Malheur à vos pasteurs qui sont à la table du président, mangeant et buvant à la honte de leur peuple. Vision du Brésil. Dans une vision, j'ai regardé à nouveau la statue du Christ au Brésil, et la statue bougeait beaucoup, très intensément, quand soudain j'ai vu un dragon, qui avait le visage comme celui d'un homme, et ce dragon a lancé de grands feux sur la statue de Jésus, et le feu n'a pas atteint simplement la statue mais une bonne partie du Brésil. Donc j'ai compris quand je me suis réveillé que ce dragon venait anéantir l'économie et la politique brésilienne, et après cela, en prendre possession. Ce dragon veut procéder de cette manière pour de nombreux pays, provoquant ainsi de grandes révoltes et manifestations. Ainsi dit le Seigneur au berger du Brésil, vous faites le travail de manière hypocrite, montrant au masque que vous êtes proche de moi, quand tout ce que vous faites est de rechercher la popularité et les adeptes. Repentez-vous de toute urgence de votre vanité, car je viendrai et j'enlèverai votre chandelier. Le Seigneur me dit, l'heure est au regret et à la repentance. C'est l'heure du changement pour le Brésil. Ce n'est pas le temps de jouer et de chercher la gloire. Je regrette que les ministres de ce pays sont en compétition, certaines personnes montrant qu'ils sont plus qu'un autre. Ils doivent se repentir, dit le Seigneur. Chaque nation a fait ses dieux,
et les a placés dans les hauts lieux comme les Samaritains ont fait, chaque nation dans les villes où il habitait. Béni soit la nation dont Dieu est le Seigneur, et le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Psaume 33 verset 12. Vision de la mort d'un soi-disant homme de Dieu africain, très bien connu comme prophète. Alors, j'ai été pris par le Seigneur, pour une vision claire. J'étais debout, je ne sais pas où j'étais, mais j'ai vu cet homme qui était aimé par un esprit géant ayant le visage de gorille. Le même esprit jouait avec lui. Cet esprit l'avait pigé pour le tromper. J'entendis le Seigneur me dire, « Cet homme a fait des choses qu'il ne devait pas faire, il a brisé le tabou, qui a causé une grande révolte spirituelle. Dieu a déjà signé son jour de mort, et qui sera très bref, il va mourir. Il sera transporté par ce même démon géant ayant la forme de gorille. Et quand ce prédicateur connu par toutes les nations comme prophète était mort, j'ai vu le démon géant ayant la forme de gorille le traîner vers un tunnel noir. Ils sont descendus en enfer. Ce démon lui avait beaucoup tourmenté. Le Seigneur avertit qu'il reste quelques jours pour lui de quitter la terre, pour subir le tourment éternel. Mais le Seigneur m'a dit qu'il ne veut pas se repentir. Mais voici, vous allez pleurer cet homme qui a trompé les nations, dit le Seigneur. Mon jugement est à l'œuvre, je veux sincèrement qu'il se repente, je ne plaisante pas, je vous donne du temps, vous avez eu le temps de jouer, assez de jeu, je vous corrige par amour annonçant la venue imminente de mon Fils, dit le Seigneur. L'épée viendra sur les menteurs, et ils seront fous, l'épée viendra sur des puissants, et ils s'évanouiront. Jérémie 50 verset 36, parce que le salaire du péché est la mort. Bafinga